Octave, au fait, m'pense que Krizna li atteint zone de capable li paroxysme. Et c'est que l'on regarde aujourd'hui et pays est complètement bloqué et au parti là pour troisième semaine côté que activité complètement paralysée, l'état dysfonctionnel, crise humanitaire pas gain de l'eau, côté moun pas une gaz, pas rien pour capable fonctionner l'école fermée. Combien temps ba tête nous là pour nous capable prononcer nous sous crise? Moi parler le plus vite que possible et me tête moi, je dis à partir de hier 72 heures de temps pour que nous prononcions à partir de rencontres que nous avons faites avec Sénat et les extraits, les résultats attendus de ces rencontres vont constituer la teneur du message qu'on aura à délivrer. Donc, comme dit, vous comprenez que je dis à mes esclaves, je dis à ces sénateurs 30 on est qui est dans l'Assemblée, je dis à son autre monde, son président. Et en tant que président, je suis juré pour respecter la Constitution, hein, et deuxièmement pour diriger l'Assemblée avec tolérance, calme et sérénité. C'est peut-être ça où il y a un pile monde, un pile sénateur dans le Sénat qui joue des soins ou un pas répondre. Mais si le sénateur 30 ans dans l'Assemblée, et bien le sénateur 30 ans pas répondre. Je dis là, c'est des administrés que je il y a des sorties qui font contre moi, qui disent contre moi. Donc, où est-ce que le sénateur 30 ans pas répondre à ces accusations? Normalement, permettez-moi pour aller dans quelques accusations qui font tout moi, je dis là, n'est-ce pas? Et sans que je ne passe pas citer nos pièces sénateurs. Je ne vais pas permettre pour ça si je vais. Et ouais, nous parlons très rapide, mais il faut nous garder qui ça a fait par rapport avec l'urgence qui est dans la demeure. Je veux dire que nous avons près de 72 heures à partir de hier pour que justement nous arrivions en tant que avec le sénateur pour que le Sénat se positionne à travers le président du Sénat. C'est ce que j'ai dit. Donc, et c'est samedi que nous avons dit que nous avons. Je dirais des extraits intéressants, hein, des extraits fructueux qui sont dans la dernière réunion, hein, et qu'on a continué à élargir le cadre là pour amplifier et bonifier, n'est-ce pas, extraits sérieux au regard de la taille numérique, je dirais, du Sénat de la République. C'est ce qu'on avait dit, et nous allons essayer d'accélérer le processus pour que le Sénat puisse avoir une position définitive. Et dans mes précisions, sont tous d'accord. Analyse, sénateur. Tout d'accord. Par exemple, prétendez qu'il y a un peu de monde qui dit, et c'est ça que, qui vient. Au niveau de population qui pas comprennent bagaille yo yo prend population yo mettez n'importe quel bagaille qui n'a tête plus yo dit que jour le 23 il a 50 ans organisé une séance irrégulière au regard des règlements intérieurs. Moi dit c'est faux, c'est archi faux, la séance était régulière parce que article 59 règlement intérieur là il dit clairement, il dit que les séances statutaires se font les mardis, mercredis et jeudis, mais au besoin le Sénat peut siéger en permanence. Donc, le Sénat est capable de siéger lundi, vendredi, samedi, dimanche, au regard des règlements intérieurs du Sénat. Et article 66, il dit qu'il y a des séances ordinaires, il y a des séances extraordinaires. Donc, ça veut dire que moi, j'ai une provision réglementaire pour que moi, organiser ces séances-là. Donc, là, tu as dit ça, on a dit ça, on a qu'est-ce là, extraordinaire, mais ordinaire, là. Moi-même, la séance, non, moi, je me base surtout sur l'article 59 pour dire que le Sénat, les séances statutaires se font mardi, mercredi, jeudi, mais au besoin, le Sénat peut siéger en permanence. Pas oublier que son séance, il y a un qui n'a pas le fait, qui est gâté. Et que cette séance-là, il était vraiment en suspension. Il n'est pas arrivé fait. Donc, c'est devoir, en tant que président, c'est devoir constitutionnellement, c'est obligation constitutionnellement, en tant que président, pour organiser séance. Attribution. Président Sénat, les monsieur voit au cabinet qui s'est pour le sujet à sanction au premier fois et que si dans écrasé, mais c'est le voir, c'est obligation constitutionnelle pour organiser en séance. C'est le seul au prochain que je pas supposé organiser séance, alors que c'est le voir pour organiser séance. Et moi, organiser séance là, au regard des règlements intérieurs qui donnent provision, n'est-ce pas, réglementaire pour que organiser séance là. Ça veut dire que, à 50, je dit que je vais faire séance lundi, vendredi, samedi et dimanche, même si je vais faire le mardi, mercredi, jeudi. Regardez, à titre d'exemple, où est séance ratifiée vendredi, ou appelons Salomon, juste à l'arrivée 7h du soir, en tant que 26, nous avons quitté séance là, mal là quand même, parce que je vais arrêter au-delà de 7h. Donc, ça veut dire que. Ça veut dire que, attends, le samedi, sénateur, qu'à lundi, c'est séance extraordinaire. Non. Bon, il y a extraordinaire. Hein? Et deuxièmement, tout, il y a en permanence du Sénat. Okay. Parce que, article 59, a dit que, ou qu'a fait le mardi, mercredi, jeudi, mais au besoin, le Sénat peut siéger en permanence. Ok, dans quelle situation? Dans quelle situation? Eh bien, j'avais besoin. Non, est-ce que c'est extraordinaire là ou bien permanence qui est là? La permanence.
OK, la permanence. OK. La permanence. Parce que nous avons une séance qui est là, et que la séance a été bloquée. Donc, on y est là, on dit que nous faisons séance là, après avoir fait une concertation avec le bureau. Moi, j'ai arrêté chaque membre du bureau dans le téléphone, je concerté avec eux, ils ont été verts, et ils dit d'accord, on fait la séance le 23 septembre. Et moi, je voulais dire, pour tout le monde comprendre que, nous accusons que nous faisons séance Champouel. Comment nous faisons séance Champouel? C'est leur séance en cachette. Or, moi, je te promets que vous forum au sénateur. Et nous avons un texte là-bas où, comme mon père doit prendre un forum dans le pouvoir et le lieu, je dis que, gagné clairement, je dit 24 heures, là, je te dis le dimanche, je fait le 22, je fait une séance. Je vous un autre forum, je dit que, sénateur Chantal va une pièce, c'est un Champouel de la fête. Sénateur Chantal, c'est un légaliste, il est attaché à la Constitution et au règlement. N'importe qui séance, je fait, je toujours annoncé le forum 24 à 48 heures avant. Et c'est ça me fait, vous annoncez le dimanche, n'est-ce pas, pour nous dire que lundi, on s'y essaye. Tous les sénateurs étaient invités, n'est-ce pas, quelle que soit sa sensibilité politique ou sa chapelle politique, ils étaient invités pour qu'ils participent au niveau de cette séance. Donc, ça une séance irrégulière, nous répondons à ça. Deuxièmement, ça devient séance Champouel. Et vous voulez tout pour troisièmement, ils ont reproché que, ils ont dit que, ils ne sont pas supposés inviter la police, dit Nandan. Mes amis, c'est qui paye, non? Est-ce que dans cas sénateur t'allez dans cas sénateur quand t'as et question invite sénateur est-ce que ça arrive que comme si vous t'es gagné aval G4 aval G4 le bureau n'a pas besoin d'avoir l'aval okay. de tel groupe ou de tel autre groupe pour faire je dirais une séance de ratification et ma vie sous ça ma vie où pas de séance de ratification qui fait dans le Sénat sauf pour seule séance première séance de ratification la paix que nous te faisons en conférence des présidents pour si ça, parce que le SAA, conférence des présidents, t'est faite quelques deux ou trois jours avant, et statut là t'est fait deux ou trois jours avant la tenue, n'est-ce pas, de la séance de la publication. Mais toute la séance qui fait, avec la Fontaine, avec la paix de l'autre séance, et avec Fritz-Souya Michel, pas de première séance de ratification qui fait à partir de conférence des présidents, ou bien aval de haut groupe. Et m'a dit que moi, il y a une assemblée qui est 29 sénateurs. Si il y a 4 personnes qui parlent d'accord, ou 5 personnes qui parlent d'accord, 6 personnes qui parlent d'accord par rapport à 29 personnes de 23, ou de 22, ou de 21, ou de 20, ou de 18, ou de 19, qui prononcent le plus d'accord, et bien c'est dans route majorité de Malé. Donc, je ne parle pas de nouveau chez cette main, parce que quand j'ai annoncé la séance, et vous avez gagné seulement 3 ou 4 ou 5 sénateurs qui réagissent et disent qu'ils n'ont pas d'accord, mais la majorité, n'est-ce pas, de sénateurs, ils n'ont pas dit mot, et je suis parlé avec plusieurs groupes, et les groupes étaient consentants. Donc, je suis obligé, sous base majorité, n'est-ce pas, faire ça relais aux évidations. Et d'autant plus, pas les conférences des présidents qui fixaient les séances de ratification. En d'autres termes, les séances de ratification ne sont jamais fixées par les conférences des présidents, loi de règlement. Conférence des présidents, pas rien, ça ou il est attribution, ça, c'est pas le rôle, ça. Et bien, bureau à lui-même, c'est lui qui fixe ses séances, après que l'arrivée concertée entre lui, et puis lui inviter, n'est-ce pas? Et non seulement lui inviter, mais encore lui organiser, lui planifier, et il fait police séance là. Maintenant, ma venue soit faite, la police que nous t'invitons en dedans. Nous t'invitons la police, nous t'invitons en bruit, quand nous avons invité la police, pour assassiner le sénateur. Mais c'est ridicule! Un président du Sénat ne peut pas éviter la police à l'effet d'assassiner les sénateurs. Ou éviter la police pour que tout sénateur, quelle que soit sensibilité, nous jouons ça où il est, protection par rapport à ça qu'on a dit cette fois Sénat le 11 septembre, où est que Chimère entre en dedans, ils crasé, ils ont moulé, ils ont tiré, n'est-ce pas, ils ont allé s'améliorer à tout le monde, ils ont fait un wash pour le monde, non? Ils ont poussé porte là, ils ont poussé porte là que vient le sénateur en dedans. Si le sénateur Dieu donne comme si c'est vraiment très frappé, très émotionné, et non, t'es fait appel à la police pour que la police vienne évacuer Assini ou stériliser en dedans Sénat parce que monsieur était très menaçant. Je dis à Yodim que je n'ai pas de droit d'éviter la police. Pas de Salomon, pas de pièce côté dans la Constitution. Je vais défier pour une dîme de côté dans la Constitution. Je vais côté dans la loi. Il y a un côté dans n'importe qui, ça vient comme décret, qui dit que il n'y a pas de droit, la police n'a pas de droit d'entrer en dans le Sénat. Pierre Côté va dire ça. Au contraire, règlement intérieur, l'article 140.2, qui c'est en émanation qui conforme avec la Constitution et les lois de la République, eh bien, il dit dans 140.2, le président
peut faire appel à la force publique si nécessaire. Mabdou, prérogative exclusive, ça, vous ne pouvez pas aller ni avec l'Assemblée, vous ne pouvez pas partager ni avec la conférence des présidents, vous ne pouvez pas partager même avec le bureau, voire avec des sénateurs. C'est une prérogative qui est exclusive au président. Le président qui est responsable de la sécurité des meubles, des immeubles et du personnel du Sénat, y compris les sénateurs, c'est lui de façon exclusive, de façon particulière, qui vient pour éviter la police si nécessaire. Donc, étant donné que nous avons plusieurs frappes déjà, et puis qu'on y a pour le 23 septembre, nous éviter la police et nous avons entente avec, je dirais, la direction générale de la police et avec, je dirais, les Nations Unies qui étaient là, nous avons chita, nous avons discuté, et même nous avons discuté avec PM, non, qui était responsable de PSPN, et finalement, dans la dernière discussion fait avec le directeur général là, nous avons entendu sur le fait que la grosse sécurité taille de roi, plume ne bouge, et la grosse sécurité à l'intérieur du ministère de la Défense qui est le parking, je dirais, du Sénat de la République, pour qu'on empêche tout le monde qui a fait des ordres qui est entré dedans, même Jean, qui a fait des ordres le 11 septembre. Même moi, je que je suis sous ça, pour moi, que je ne dois pas éviter la police. Alors que Chine est doit rentrer dedans, il fait ça, il est obligé, il est obligé, il est agressé, président Sénat, n'est-ce pas? Mais il faut surtout que je ne n'ai pas retour, parce que moi-même, je ne suis pas quitté, agressé, sans que je ne pas pour mon impression. Donc, celui qui m'avait agressé, n'est-ce pas, il a trouvé pour son compte. Et moi, devant le sénateur, je donne gâteau qui est là. Où t'es agressé tout, sénateur? Sénateur, où t'es agressé tout? Moi, j'étais agressé, donne gâteau rentré dans le monde. Avec 12 chiffres, et il y a un qui volait dans la gagne, moi qui tombe dans la toilette, et qui prend un téléphone, moi qui volait le téléphone, moi, c'est là que je suis dans la gagne, il tombe, c'est là que ça prend, moi je joue un téléphone, moi qui est en main, il est en volet. Ça signifie ça que je dis, non, non, état de droit. Si qu'on y a la police qui fasse légal, mais vite, vous l'appelez là, moi, quand tu as vu accusé, peut-être pas bon, mais vite la police, alors que tout le monde va dire, un sushi, mais quand tu mets pas ses fait calendrier dedans. Qui crasait, qui brisait, qui agressait sénateur, qui veut tirer un de la croix, nous tirer sous machine moins, nous tirer sous machine fêtière, m'a dit ça tout, nous tirer sous un lait un de la croix, donc n'importe qui sénateur qui est victime, moi-même, on y a qu'à faire travail de responsabilité. Sénateur, quand t'as. Sénateur. Attends, m'a fait travail de responsabilité sécurité, m'a évité la police, pour la police vienne évacuer nous, la police va présenter chimère envahie dedans, je fais ça au blé, et m'a pas attendu que vous soyez condamné. Je n'ai pas condamné le fait que des chimères en train de faire ça au blé en dans le Sénat, et sous la conduite de plusieurs sénateurs, n'est-ce pas, qui a accompagné eux, et pour apprendre particulièrement dans le gâteau, mais ils ont accusé le président. Parce que le président évite la police qui sont forces légales et qui n'a pas interdit pour l'entrée en dedans pour lui donner sécurité à les honorables qui l'avaient en dedans. Là, je pense que nous avons un pays qui est en bas, nous avons un pays qui va être démocratie. Nous pensons que la direction d'opinion supposée intervenir pour que l'état de choses sérieux. Qui fait honte, n'est-ce pas, à la démocratie, ça ne va pas vous dire pire pays au monde pour que vous arrivez à la sauter si le bagage est encore privé. Sénateur, quand tu as une clarification, pour casse aussi, tu es là, tu es un militant qui dit qui prend colère et tout, et puis qu'on a réagi, l'on réagit, qu'on a rejoint le téléphone, on a mené. Il était question que ces photos citoyens qui ont fait, et puis qu'on a citoyen prend téléphone, non? Yo dit que c'était des photos et jeunes garçons sont à faire et puis qu'on a mis prend téléphone en amont. Ils sont en train de mentir. Je n'ai fait aucune photo. Ok. Et dans mon moment hier, c'est pas de parler à la police, on dérèle la police, n'est-ce pas? Donc, on a appelé la police, on a appelé les concours cités de ce pays, la puissance publique pour qu'ils interviennent. Pas de affaire de photos, c'est quand nous attendons, je jure, pas de affaire de photos d'après. Mais c'est quoi téléphone en bien ou quand l'amène? Comment? Mais c'est quoi téléphone ou bien vous prenez la main? Moi, je prends la main avec force. Ok. Après que, je me fais la gare, moi-même, je balle la réponse là, téléphone me tombe à terre, je prends le téléphone là. Et c'est Don Kato qui rentrait en dedans, après une balle porte en vite là, sous qu'on allait l'autre bois, trois coups de pied, et il est rentré en dedans du roi avec 12 ans dans chimère, qui commençait à agresser en dedans du roi, et à partir de ce moment, il y a un qui volait la gare, moi qui gagne même, et qui prend le téléphone moi-même. La courir avec elle, il vole elle, et à partir de ce moment, moi-même, moi, qu'on y a, balle aux réponses, pour un téléphone, pour la main, n'abdou. C'est un journaliste dans la cour, okay. Quand fait photo, quand essaie filmé, est-ce qu'elle lui a fait un peu, j'ai perdu temps en tant que président, la photo, chimé, qu'elle parlé. Non! Ou est-ce que c'est moi que monsieur a fait? Ensuite, il est tellement important pour donner notre précision pour vous. Radio-Média. Critique, que je ne comprends pas ce qui fait, qui dit que le sénateur Tratav, c'est supposé pas organiser ce qui est là, parce que dans la radio,
président de la commission éthique anti-corruption a dit que William a un problème de sous-facturation, problème cabrit, des problèmes de chèque. Nous ne sommes pas supposés faire séance, nous sommes supposés cramper sous séance-là. Mais qui paye nous là? Est-ce que l'Assemblée, c'est dans la presse, est-ce que l'Assemblée, c'est dans le potage lié, dans le venier, est-ce que l'Assemblée, c'est dans la presse pour y aller, pas dans le Sénat encore? Mais... Le président ou la commission travaille pour l'Assemblée. Les commissions ne travaillent pas pour la presse. Les commissions ne travaillent pas pour le président du Sénat. Les commissions travaillent pour l'Assemblée. Le sénateur de l'Assemblée, Yuri Latortu, qui est président de la commission éthique et anticorruption, vient avec des feuilles, il nous traîne, il dit que, mais au certificat de point dans le cours de cassation, il dit que c'est un plat, il est suspensif. Le final vient avec, je dirais, des données pour dire que William, par exemple, Fritz William Michel, il y a des problèmes de sous-facturation. Est-ce que c'est moins pour voter le bail ou pas chaque sénateur pour voter le bail? Non! Puisque la commission travaille pour l'Assemblée, son séance que m'a fait, son séance de ratification, où il y a ma place, et il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre, eh bien, président de la commission éthique, qu'on est bien propre. C'est un grand sénat pour lui, nous, pendant que séance de ratification, pour lui, avec papier, avec preuve, pour le prélo, pour l'IO, bah, l'Assemblée, pour que l'Assemblée, après exposer le rapport là, pour que l'Assemblée. Est-ce qu'il y a un cas, sénateur comptable, est-ce qu'il n'y a pas un aspect moral dans ça, hein? Par le fait quand même des suspicions, son monde, des suspicions de corruption qui grave, laisse qu'on a tout, est-ce que ce n'a pas gagné, ça n'est capable de une obligation morale pour stopper, en attendant la clarification faite? Nous avons, n'est-ce pas, nos lois, nous avons nos règlements, nous avons nos procédures. Je dis à tout le monde quand il dit Salomon volait, et puis il dit Salomon, il y a papier pour prouver ça. Mais immédiatement, il dit Salomon volait. Eh bien, nous ne pouvons pas tromper, on dit Salomon c'est volé, il est bien d'accord, non? Il faut qu'on côté quelque part. Il faut qu'on okay. Accepte parce que nous, on n'a pas. Par exemple, pour Estorel, Jacques s'est dit qu'elle nous attendait, nous avons gagné comme dans nos fils. Il te dit audio avec cette vidéo. Il y a un film qui est abonné en moi, immoralité. Mais finalement, tout le monde s'est menti sur elle. T'as fait parce que l'homme dit faut le bail audio, pas acheter figure. Faut la vie libre. Il voulait pour la vie libre. Donc, on voit que le bacalaï jusqu'à présent ni audio ni vidéo. Donc, tout le monde est jugé à partir de ça seulement. Vous ne savez pas bien fort. Et puis, le bail de la tortue, comme président de la commission éthique et anticorruption, il y a des données dans même. C'est pas dans la radio, non, pour aller. Parce que c'est pas dans la radio que l'Assemblée a fait. Hein? Non, où dit le bail audio? Comme président, non, pour le bail. Pas une question d'obligation morale là, c'est une question que sénateur entendu avancer au bagage, et ça c'est là que l'entendu avancé, il y a des débats qu'on a dit pour l'Assemblée, pendant séance de ratification, l'a venu avec données lieu, l'autre groupe l'a gagné lui-même, l'autre donné qui contraire, il y a confronté, ou bien l'Assemblée a tranché, si c'est pour le droit, et si c'est pour le droit, président tranché. Mais cette histoire-là dit que, immédiatement que le président sénateur est supposé cramper sous séance, pas de séance encore, parce qu'il y a un sénateur qui préside dans la commission éthique et de corruption, qui dit tel bagage sous le premier ministre-là, moi pense que là, c'est mal digéré, c'est mal connaître, c'est mal, comment dirais-je, c'est formé sur les règlements intérieurs du Sénat de la République. Quand le président, quand une commission travaille, la commission travaille pour l'Assemblée, la commission ne travaille pas pour la presse, la commission ne travaille pas pour le président d'ailleurs, même rapport, que la commission n'attend pas qu'à moi. C'est l'Assemblée la ville du rapport. Et l'elle qui lit rapport qu'on y a pour le débat qui fait folie, tout ça va accuser William Yo. Et là, qu'on y a si vérité à jaillir, et à partir de ce moment qu'on y a des mesures qui vont être mal doux. Mon exemple, aux États-Unis. Il y a un mec qui doit aller juge au suprême blanc. Nous, on a un pile bagage qui t'a dit de lui. Et puis qu'on y a sa crête. Démocratie pas belle. Démocratie vini avec sa nouvelle. Des preuves, et ils ont dit que mais pour qui ça, on va venir. Mais République est tout le même, en assemblée, là qu'on a la commission qui nous présente le rapport là, et bien, République est tout dit au même, mais ça a gagné comme preuve contraire. Débat fait pendant longtemps, débat était rouleux, et après quoi, qu'on y a démocratiquement, majorité a imposé, République est arrivé, qu'on y a gagné par l'IA, et nous faisons installer Michel comme juge. Mais pays! Mais démocratie, okay. Mais Haïti dit démocratie tout. Mm-hmm. Est-ce que je veux être accompagné dans la radio pour faire une déclaration et vous pouvez faire calmer la catastrophe? Je dis bon, oui, parlez. Sénat, nous allons finir. Nous allons finir tout à l'heure. Nous allons finir. Calmer la catastrophe, pas de travail, ni pour Jovenel. Pas de travail, pas de travail. Parce que beaucoup de gens font une déclaration qui dit que une proposition pour Jovenel est pour Jovenel. Mais qu'on ne voit pas de travail non plus pour Jovenel, attention. Il n'y a pas de travail pour l'opposition. Mais pas de travail pour, je dirais, en fait, la majorité. Pour travailler pour le groupe indépendant en tant que président, je suis guidé par la loi, je suis guidé par la constitution, je suis guidé par les règlements intérieurs. Pas des gens qui t'apprennent pour servir à rien, pour faire affaire par eux. Si vous ne voulez marcher et que la guerre de l'IDM, pour la guerre de l'IDM, détruire. Pas des gens qui t'a détruire. Parce que quand nous racontons, vous nous dites propre. Quand nous racontons, vous m'avez passé. Puis on nous dit le fait que vous organisez au séance,
c'est parce que le viage même qui va organiser séance, c'est le droit, c'est droit, c'est obligation en tant que président. Pour moi faire aux séances, et c'est pour ça que j'ai le droit ça, pour moi faire séance, c'est sénateur pour vivre dans séance, pour vivre prononcer. Si oui ou non, je accepte. Je dis à moi obligé la démocratie. Mais il y a classe, oui. Si je dis à là, pas qu'on continue comme ça, pas que j'aime le premier ministre qui passe même. En un sénat, parce que chaque fois deux ou trois mouvements d'accord, il y a vide des matières fécales, il y a crasé, il y a brisé, et à partir de ce moment qu'on y a, séance après envoyé. Et je pense que ce sont très mauvais précédents pour le condamner à travers la presse, les directeurs de l'opinion surtout. D'accord. Parce que, pas de sénat, je dis, là, parce que chaque fois pour mon chita, pour discuter démocratiquement, c'est sa constitution dit, et bien c'est matière fécale. Sénateur Cantave. Sénateur Cantave. Nous, on va finir là, mais quand même, le regard du sénat, et c'est pas seulement le sénat qui est en difficulté. Ou est président ou c'est par téléphone organisons conseil des ministres ça qui appelle mon APC garder là qui ça va garder parce que quand même situation très précaire situation très critique très fragile m'ba connais bien si me dit bien tendez ou sénateur gon zanmi à l'étranger qui attendait là qui dit que le temps de dire on l'école et les cité qui a formé 3 centimes ça il dit mando est-ce que c'est pas trompé à tromper vigilance monde les cité parce que les cité traité en parent pauvre m'bat bien tendu mando ça est-ce qu'on va consorter dit dans de dit liste là envoyer à l'école là mon a écrit là pour dire est-ce que c'est pas vigilance pour nous tromper parce que liste traité en parent pauvre qui sont qu'à répondre pour une café radio miga problème je suis de l'extérieur je suis pas là où on arrive je suis de l'extérieur et moi à cheval entre l'extérieur et les dunes où gon l'école l'extérieur oui moi je finis la famille Gabriel OK l'extérieur pas traité en parent pauvre. Nous disons des projets que nous écrit, n'est-ce pas, pour l'extérieur. Après que j'ai crise pays, le projet ça a beaucoup atterri. Mais nous avons deux projets, n'est-ce pas, qui atterri. Un, un projet d'alphabétisation, côté la commune 300 personnes au niveau de l'extérieur, et c'est la fondation Louis Gabriel qui a incendié dernièrement, qui a fait ça. Et deuxièmement, nous avons un autre projet encore pour l'extérieur, qui, dans 8 autres communes encore, c'est un projet côté nous avons gagné 225 personnes n'a payé l'école pour eux. Et je crois que si toutes les crises à fond de là, nous allons lancer ce projet ça au niveau de l'Esther, au niveau de Beijing et au niveau de Liancourt. Ça veut dire que l'Esther, nous avons des projets, je dirais, notre matériel. Ça coûte par exemple, centre de santé de Sosaka, qui nous allons faire, nous avons des ponts, nous allons faire, l'école nous réparer. Mais le projet ça, que IDA, Initiative de développement à Thibonite, qui a déjà organisé 77 projets réalisés en dehors de la Thibonite déjà. Okay. Mais projet ça au domaine, mais malheureusement, nous pouvons carrer avec à cause de la situation pays depuis 6 février, pas de budget, pas de rien, et que les côtés nous frappent pour n'est-ce pas qui c'est ONG, qui dit que ça peut répondre, mais qui peut qu'on répondre toujours, c'est ça que c'est que nous avons des projets pour qu'on atterrir les terres. Mais m'a rappelé qu'à travers le département de l'Antibonite, dans une année d'existence, il a organisé, réalisé 77 projets, n'est-ce pas, et a fait aujourd'hui album pour nous présenter l'ensemble de ces projets que dans une année nous avons organisé, réalisé au niveau du département de l'Antibonite. Léa Batnou, c'est vraiment une dernière question dans quelques secondes. Et situation là paraît très fragile, il y a des gens qui estiment qu'il y a une urgence dans des meurs. Ou estimez que quand même nous capons des toujours pour nous capables de réagir ou bien combien de semaines nous avons encore si oui? Salomon, moi dis et vous dis, le président du Sénat n'est pas dans un régime horizontal. Tout temps que ce n'est pas les sénateurs qui prononcent qui va en position commune ou en position majoritaire, eh bien, le président du Sénat ne peut pas se prononcer. C'est pour ça que nous allons être dans un délai de 72 heures de temps pour que nous arrivions non seulement à racoler les morceaux, raccommoder les morceaux au niveau du Sénat, mais encore sortir avec une solution concertée qui a reflété la position du Sénat. Et je suis tout aussi pressé que toi parce que le peuple est en train de souffrir. Peuple là pour mourir pour un goût. Peuple là, il n'y a pas de gagne. Peuple là, il y a une difficulté, n'est-ce pas, pour jouer de l'eau. Peuple là, pas qu'à l'hôpital. Eh bien, peuple là, pas qu'à l'école. Puis si peuple là, chita la calice, pas qu'à l'école. Je dis à mon quoi que l'important pour que Sénat, en tant que co-dépositeur de la souveraineté nationale, pour que Sénat prononce l'espace sous crise, mais le président seul ne peut pas se prononcer, le bureau seul ne peut pas se prononcer. Il faut qu'il y ait une majorité de sénateurs, n'est-ce pas, en majorité composite de plusieurs groupes, qui jouent une position commune à adopter, n'est-ce pas, pour le Sénat de la République. Et c'est à ça que nous tenons, je veux dire. D'accord. Merci beaucoup, sénateur Cantave. Bonne journée, bon mois octobre. Ne comptez pas là avec vous matin. À la prochaine. À moi de vous remercier, Salomon. Je suis toujours à votre disposition. Chaque fois que je dois intervenir ou vous avez besoin, n'est-ce pas,
d'une interview de ma part. Je suis disponible, je suis là pour ça. Merci. Merci beaucoup.